Bonjour à tous, on est le 6 septembre 2019. Là, je montre les variétés des tomates que j'ai, et même les graines que j'ai prises à mes collègues, et même aussi les graines que j'ai envoyées. Alors, je commence maintenant parce que j'ai pris la liste. Là, on est avec le premier, avec l'ananas. Vous voyez, c'est des belles grappes d'ananas, franchement magnifique. Voilà, et ça, c'est des taches des grêles qui sont tombées. Encore, il y a le deuxième, encore, et voilà. Alors, l'autre côté, celui-là, et encore. Voilà, on regarde cette variété. Je crois que ce vidéo sera un petit peu long. Alors, celui-là, c'est quel numéro? Numéro 16. Numéro 16. Alors, numéro 16. Numéro 16. Divinina rouge. 60 grammes. Divinina. Voilà, les vignes rouges. Voilà, comment ils sont. Ils sont magnifiques, j'ai déjà goûté, ils sont superbes. La même chose que l'ananas, j'ai déjà aussi goûté. Après, là, c'est le 10. Le 10, c'est quoi? Vintage Win. Ça, c'est de chez Fred. Fred, si tu m'entends, là, c'est vos tomates, regarde. Voilà, j'ai déjà. Ok, un petit peu, voilà, deuxième grappe. Parce que là, j'ai encore plein de tomates. Encore. L'autre côté, je parlerai après, c'est de David, je crois. On va parler après. Ça, c'est quoi? C'est du jeune numéro 4. Numéro 4, c'est des petits rondes ovales jaunes. Voilà. L'autre côté, l'autre tomate, c'est pas grave. On va parler de cette côté-là. Là, il n'y a aucun. Vous voyez, là, il vient de se réveiller. Plein de fleurs. Et en retard, de toute façon, c'est pas grave. C'est le 15. Le 15. Grosse tomate de la ferme de David. Voilà, le 15. C'est de David. Alors, suivons cette tomate-là. Comment ils sont? Voilà, j'ai le 17. Le 17, c'est le menthe rosa. Menthe rosa. J'ai encore là-bas. On va parler après. Alors, ça, c'est le 8. Le 8, cœur de bœuf de Croatie. Magnifiques, j'ai déjà goûté ça. J'ai d'autres pieds encore. Alors, celui-là, ces petites cerises, ça j'ai envoyé à Béa. C'est vous m'envoyez, je t'ai envoyé les graines. Regardez-moi les belles grappes. Voilà, voilà en serré que vous m'avez demandé. Voilà, regardez la suite ici. Alors, l'autre côté, bah, encore il y a un autre là-bas. Alors, ça, c'est quoi? Le 21. Le 21, c'est diamant romanella. Diamant romanella. Regardez-moi les belles grappes, mais elles sont magnifiques. Voyez comment elles sont? Ils sont magnifiques. Alors, suivant, le 20. Le 20, c'est moyen longi rouge. Voilà, suivant, c'est le 3. Le 3, c'est côtelet noir de Crémée. Noir de Crémée. Voilà, j'ai encore là-bas. Là, j'ai pas mal.
encore là, noir de crémé, bien pas vu. Alors ça c'est quel numéro? Le 19. Ronde petite rouge en grappe, voilà. C'est ça. Alors ça c'est quoi? Le 12. Le 12 ananas, la mienne. Ananas, c'est la mienne celui-là. Parce que j'ai pris, je parlerai après. Ça c'est ananas, il n'a pas pris l'autre. Alors ça c'est quel numéro? Numéro 6. Rosa allongée de russe. Voilà. Rosa allongée de russe. Rose. Alors le 13. Le 13, c'est Andy Cornu. Et encore petit. Il vient de se réveiller aussi. Alors, celui-là, quel numéro? Le 9. Le 9. C'est cerise poire jaune de chez David. Regarde, David. Regarde-moi ça. Voilà, moi, de chez David. Alors, suivant. Ça, c'est Alain, les tomates numéro 11. Numéro 11, ça, c'est des tomates de Alain. Regarde-moi ça avec mes mains. Énorme. Elle va toucher le kilo, celui-là. Il y a 3, 4, 5. Après, il y a le deuxième bouquet qui arrive. Voilà, Alain, c'est à vous. Alors, le 4. Petite ronde ovale jaune. Voilà, ça c'est ça, c'est fait. Regardez-moi ça, des belles grappes. J'ai déjà mangé pas mal. Regardez-moi ça. Alors, après, le 8. Le 8, c'est cœur de bœuf Croatie. Je suis allé au Croatie et j'ai pris ces cœurs de bœuf comme ça. Regardez-moi ça. Comment ils sont belles de Croatie. J'ai déjà goûté l'autre fois. Ils sont superbes. Alors, le 25. 25, c'est quoi? C'est Beg Rambo. Rambo de Frédéric, si tu me vois, voilà tes tomates, elles sont magnifiques. Ça commence, voilà, ça c'est l'autre côté. Alors, le 2, le 2, c'est, non, c'est 20, c'est pas 2, c'est 20. Alors, ça c'est déjà, c'est qu'un numéro, le 28, non c'est pas la même chose, c'est autre, 28, cerise jaune ovale de Maroc, en grappe, voilà, c'est ça j'ai acheté au Maroc, voilà. Alors, ça c'est le 5, on regarde les fruits déjà. Il n'a pas beaucoup. Le 5, c'est quoi le 5? C'est ananas. Ah oui, ananas de voisin. Ananas de voisin, mais il vient de sortir comment c'est. C'est pas grave. Allez, on passe au 23. 23, c'est chocolat strip de Fred. Chocolat de. Voilà, chocolat de Streb. Marqué 23 chocolat strip. Voilà, c'est de Fred. Alors là c'est le 32
sont encore 32, c'est tomates cerises rondes noires en grappe. Ah, elles vont noircir en grappe. Ça, c'est les miennes des autres années. Alors, ça, c'est quoi? Il n'y a rien dedans, c'est 29. 29, c'est quoi? C'est tomates potiron écarlate. Potiron écarlate. Non, c'est pas ça. Alors, ça, c'est quel numéro? Numéro 25, on vient de le voir. Ah oui, le 25, magnifique celui-là. 25, Big Rainbow. Rainbow. Big Rainbow. Regardez-moi ça. Il est un petit peu. Il est énorme. Big Rainbow de Fred. Alors, à côté. À côté, regardez-moi ça. Ça, c'est qu'un numéro. C'est du corps de bœuf, mais il faut savoir. 26. 26, c'est corps de bœuf, la mienne, des autres années. Vous voyez, voilà. C'est des belles tomates. Voilà. Alors, 27, cerises noires ovales de Maroc. Regardez-moi ça. Ça, j'ai acheté au Maroc aussi. Et quand j'ai parti aussi en Grèce, j'ai acheté la même chose, mais pointillé, mais un petit peu zébra de cette année. Si vous suivez la chaîne, vous regardez ça. Alors, regardez-moi ça. Des belles tomates. Quel numéro? Le 22. 22, rondes, rouges, grandes. Au Croatie. J'ai acheté au Croatie. Regardez-moi ça. Des belles tomates. On a encore du grappe. Des grappes qui viennent aussi encore. Voilà. Après, le 3. C'est, j'ai déjà recueilli le 3. 4 ou 5 que j'ai recueilli de ce pied-là. Parce que j'ai encore là-bas. Le 3, c'est côtelet noir de crémé. Ça, j'ai acheté des plantes. J'ai acheté des plantes de cette année. Après, le 24. Le 24, c'est bleu bloutu de Fred. Ça encore vient de commencer. Après, ça, c'est du zébra. La mienne, des autres, les autres années. Des zébras, bientôt, voilà. Ça, maintenant, ils sont prêts. Alors, vous voyez. Après, alors c'est quoi ce numéro là? Ça, c'est du cornet, je crois. Le numéro 8. 8. Cœur de bœuf Croatie. Ah non, c'est petit, encore petit. Croatie. Vous voyez? C'est encore petit. Alors ça, je crois on a déjà, parce que j'ai trois variétés comme ça, mais ils sont magnifiques franchement, avec du sucre, ils sont fermes. 4 petits rondes ovales jaunes, ça on a déjà fait. Ça, c'est des zébras, j'ai déjà fait. On a la même chose. C'est le 10 20 juin, Freddy. Alors suivant, le 21, regardez-moi ça. 21, diamant Romanella. Diamant Romanella. Regardez-moi ça, ils sont magnifiques. Regardez ça. Alors, c'est quoi? Quel numéro? Le 15. 15, c'est une grande tomate de la ferme de David. Voilà, David. Si tu me vois, c'est tes tomates. Voilà, elle s'était plantée en retard. Hein. Faut pas regarder ça, des belles. Voilà. Pardon. Alors, le 23, chocolat strip de Fred. Voilà, elles sont encore petits. Alors, ça, le 2. Le 2, c'est
côtelé marmande. Ça, j'élimine. Ça y est. Alors, ça, c'est quel numéro? Le 20, je crois que c'est déjà passé. Le 20, c'est Diamant Romanella. Celle-là, je le garde. Il est superbe, il donne très bien. Et beaucoup, beaucoup de tomates. Et là, ça, c'est clair et net. Ça, beaucoup de tomates. Toutes les pieds sont données. Magnifique. Regardez-moi ça. Alors, après. Le 5, c'est ananas de voisin. Ça, j'élimine. Voilà. Directement. Parce qu'il y a des tomates que j'élimine. Elles ne sont pas données. Elles ont vieilli rapidement. Alors, le 26. Le 26, cœur de bœuf. La mienne, cœur de bœuf. Ça, c'est magnifique. Je garde à vie. Ça, c'est des superbes tomates. Toujours, ils donnent magnifique. Des superbes tomates. Toutes les pieds sont données. Alors, celle-là, le numéro. Le 24. 24. Bleu blotti de Fred. Regardez-moi ça. Fred, si tu me vois, regarde tes tomates. Elles sont magnifiques. Bleu petit, il a bien donné le pied. Regardez-moi ça. Alors, je passe au suivant. Là, ils sont bloqués avec le. Voilà, je passe celui-là, c'est pas grave. Alors, ça, c'est numéro 19. Numéro 19, c'est quoi? Numéro 19, c'est. Tomate ronde, petite rouge en grappe. Ah, ronde en grappe. Regarde-moi ça. Celle-là, je garde. Elle est magnifique. Elle a toutes les pieds sont données. Et j'ai pas fait beaucoup dommage. Là, je garde cette pied-là. Alors, cornée, c'est la mienne. C'est les anciennes. Ça, c'est magnifique. J'ai encore pas mal de graines. Voilà. Celui-là, c'est petite cerise. C'est le 18 que j'ai donné au BIA. Voilà. Celui-là, je le garde aussi. Ils sont magnifiques, juteuses, ils donnent bien. Toutes les pieds, regardez-moi ça. Et partout, regarde-moi ça. Partout, j'ai déjà pris l'autre fois. Toutes les pieds, ils ont donné bien, bien, bien. Alors. Quel numéro? Le 7. Le 7. Ananas de Bia. Ananas de Bia. Regardez-moi ça, mais celui-là, il l'a pas donné. Il a rien donné celui-là. Parce que j'ai. De toute façon, j'ai planté tard. Celui-là, il l'a pas donné. Il l'a pas donné. Alors, suivant. C'est Montrosa. Ah, ça c'est magnifique. J'ai déjà retiré l'autre fois. Regardez-moi ça, rosa. Ils sont roses un petit peu. Voilà. Mais celui-là, je le garde. Il a bien donné. Ils sont juteux, pas farineux. Ça, c'est des noirs de crémier. Celui-là, ils sont vieillis rapidement des pieds. Je annule celui-là. Après, j'ai mon ananas. Alors, celui-là, je le garde. Ananas. Ça, c'est la mienne. Regarde, je regarde de l'autre côté. Vous voyez, regarde celui-là, je le garde. Il a bien, bien donné. C'est l'autre pied qui est voilà, plein d'ananas partout, partout, en bas aussi. J'ai déjà retiré l'autre fois. Regardez-moi ça, parce que je ne peux pas tout faire. Alors, voilà. Alors, David, le. Regarde, Poirot, il a donné un truc comme ça. Ça c'est
Voilà, poivron. Bravo. Quel numéro? Numéro 9. 9, c'est cerise poire. Poire. Poire jaune de David. David, regarde-moi ça. Le poire. Celui-là donné comme ça. Alors, celui-là, je le garde. Il est magnifique. Toutes les pieds de. Alors, celui-là, c'est quel numéro? Le 8. Le 8, cœur de bœuf de Croatie. Regardez-moi ça. Celui-là aussi, je le garde. Il a bien donné. Toutes les pieds sont donnés. 33. Même si c'est tard, ils sont donnés. Alors, Jean Ronde. Jean Ronde. Alors, celui-là, je le garde. Il a donné de super belles pieds. Toutes les pieds sont bien donnés, sont forts. Ils sont manipulables. Ça veut dire que tu peux le. Voilà. Sur un plat, il peut tenir. Alors, ça, c'est. Le 3, cœur noir. Ça, c'est. Ça, je élimine. Alors, ça, c'est. Je crois, j'ai déjà. On a déjà fait. Petite ronde ovale jaune. Celui-là, je le garde. Il est magnifique, sucré. Et. Alors, c'est quoi ça? Quel numéro? Regardez-moi ça. Le 12. Le 12. Ananas. La mienne. Ça, c'est ananas, la mienne. Voilà. Ils sont petits, celui-là. Je prends pas les graines de celui-là. Alors, 16. Divinina rouge. C'est 60 grammes. Oh, regarde, celui-là, je le garde. Il a donné trop, même plus que pour le pied, sans même tomber. Regardez-moi ça, il est parti à l'autre côté. Voilà. Ça, je le garde. Ils sont petits. Pas farineux, surtout. Ça, c'est, j'aime bien, moi. Tout ce qui est sucré. Hop, je suis là. Alors, là, il n'y a rien. Le 15. Grande tomate de la ferme de David. Il n'y a rien donné. C'est la 12e ici. Rien. Après, j'allais là-bas. Alors. Ça, c'est tomate le 7 de Bia. Regarde l'ananas de Bia. Regarde celui-là, il va dépasser. Regardez-moi ça. Si tu me vois, Bia, c'est la seule qui est bien donnée. Celui-là, je garde les graines. Merci, Bia. Et j'espère que mes graines, je sais pas si tu l'as fait ou pas. De toute façon, les grains que je te donnais, ils sont bien donnés chez moi. Alors, cœur de bœuf, la mienne. Le 34. 34. Tomate, cœur de bœuf. Ça, c'est une autre variété, le deuxième. Ah là, ça, je garde 100% aussi. Il a donné beaucoup. Regardez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, ça, c'est le bas. J'ai pas. Et là, il dépasse. Vous voyez, ça, je garde les graines. Voilà, et encore là, j'ai pas compté. Hein. Regardez-moi ça. Ça, c'est. Voilà. Alors, ça, c'est le noir de Crimée. J'ai retiré, je remets un autre, un petit. Je vais pas arriver à donner, mais juste pour faire plaisir. C'est tout. Alors, je passe à l'autre côté. Alors, ça, c'est magnifique. Le 12, c'est ananas, c'est 100% parce que j'ai déjà retiré. Ananas, la mienne, qui fait de l'année, si vous regardez la vidéo, 800 grammes, si vous vous rappelez. Voilà un autre de presque 800 grammes. Mais j'arrive pas à le voir. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, la taille. Ça, c'est la mienne de l'année dernière, si vous regardez la vidéo, 2018. Voilà, j'ai mis à côté de l'ananas de Béa. Alors, le noir de Crimée, celui-là, je le garde. Il a bien donné, j'ai déjà retiré 4 tomates. Il reste là, regardez-moi ça.
Voilà, hop, voilà, ça je le garde. Par contre, si je vieillis rapidement, ces pieds-là. Alors là-bas, des tomates, quel numéro? Le 40. Le 40, c'est des tomates que je mets à la fin, mais j'ai oublié les noms et j'ai fait un conné. Voilà, je sais pas si là, je regarde après. Parce que celui-là, c'est du David, de poire. Et celui-là, je le garde de poire. Il est magnifique. Merci, David. Je t'ai envoyé de potimarron. Je ne sais pas si tu la mets au porc. Parce que quand j'ai vu, tu as fait une exclamation. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Chacun, il fait ce qu'il veut. Moi, je t'ai envoyé. Je fais confiance. Je t'ai envoyé des vraies graines, il n'y a pas de souci, même si tu as fait une exclamation sur un point d'interrogation sur le. J'ai vu ça en plus, ça, je suis par erreur. C'est pas grave, David. Moi, tu m'as envoyé des graines, j'ai planté. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est chacun son point de vue. Alors, on passe de ça. Alors, 41, 41 aussi, c'est le 40 et le 41. C'est inconnu aussi, la deuxième. Voilà, ça me donne. C'est à quoi? Alors, le 39. Le 39, Sibiri rouge. 165, Sibiri rouge. 165 grammes. Voilà, c'est très bien celui-là. Alors, celui-là, c'est le 16. Le 16, c'est Divinina rouge. Divinina rouge. Voilà, ça c'est. Voilà. Après, c'est le 33. 33, c'est jaune ronde. Voilà. Alors, après. Ah, ça je le garde. J'ai déjà pris. Ils sont magnifiques. C'est 34 tétons de Venise. Voilà, mais ils sont encore petits. Ils sont encore petits. Voilà. Mais ce pied, il a bien bien donné, franchement. Pour un pied partout. Regardez-moi ça. Il part jusque l'autre côté. Hein. Il a pris la taille de l'autre. Après, à côté, il y a le 38. 38, c'est tomate orange allongée. Tomate. Allongé, regardez-moi ça. Ça, je garde 100%. Regardez-moi ça. Ils sont magnifiques. Après, il y a le 13. Le 13, c'est Ondine Corny. Ça, c'est les miennes. Cette année, je sais pas parce qu'ils sont c'était face au soleil. Mais c'est pas grave. Alors, celui-là, c'est le top 29. Je garde. Alors, regardez-moi ça. Je dépasse, je crois, le kilo, 100%. Je dépasse le kilo parce que. Alors, regardez-moi ça. Alors, j'ai peur, je ferme mes mains parce que. Alors. Voilà, regardez-moi ça. Mes mains. Regardez-moi ça. Ça, c'est incroyable. C'est le meilleur. Toutes les tomates, elles sont. Regardez-moi ça avec mes mains là. Toutes les pieds, regarde-moi ça. Toutes les tomates, ça je le garde. 29, on a dit ici. Potiron écarlate. Potiron écarlate. Alors, ça c'est du noir de crémie. Noir cerise. C'est la mienne celui-là. 32, c'est ronde, noire, grappe, black. Alors, celui-là, c'est le voisin qui m'a donné celui-là. 35, voilà, c'est noir de crémie, du voisin. Ils sont petits un petit peu, toutes les pieds ont bien donné, ça je garde. Alors, celui-là, c'est les miennes, les autres années. 26, c'est cœur de bœuf,
c'est les miennes. Bah, dis-moi ça. Il a bien bien donné. Très bien. Voilà. Alors, et le 10. Le 10, c'est quoi? C'est 20 juin de Fred. Non, non, ça c'est. Non, non, c'est le pied de corps de bœuf, il est passé là en fait. Non, non, c'est pas ça. Ah, c'est là. Restez là-bas. Alors, c'est tout pour. Voilà, après, c'est l'autre côté. C'est l'autre côté, il y a beaucoup de tomates là-bas. On parlait. Alors, dans le cerf, l'ananas. L'ananas, ça, c'est que j'ai acheté cette année, mais je crois pas que je garde. C'est des pieds que j'ai acheté. Non, c'est pas, je ne garde pas. Celui-là aussi, des marmandes, regarde, sont donnés hein, des petites tomates, mais même c'est plein, je ne garde pas celui-là. Alors, celui-là, il est magnifique de Fred. Si vous voyez, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ah non, non, j'ai trompé. Non, non, c'est numéro 3. 3, c'est côtelet noir de crémé. Ah oui, non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas, désolé Fred, c'est pas la tienne. Alors, celui-là est redonné. Celui-là, regardez-moi ça. Des belles tomates. Un petit peu. C'est 31. 31, c'est Rosa. 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 Après, les petites tomates là. Ça, c'est du croissé. Je sais. Ça, c'est David. David, celui-là, je le garde. Il a bien bien donné. Toutes les pieds sont données. Magnifique. Même si en retard, ils ont attrapé. Ou même, ils ont dépassé. J'ai déjà mangé plein. Voilà, les tomates qui sont vieillies rapidement. Alors, bah, ce sera tout pour aujourd'hui pour les tomates. Et je vous dis au revoir et à bientôt, à la prochaine.